européens chargés de la culture et des médias réaffirme en premier lieu que les valeurs démocratiques, au rang desquelles figurent la liberté de création, la diversité culturelle, la liberté d'expression, la liberté de communiquer et de recevoir des informations, la liberté des médias et le pluralisme, ainsi que la circulation des artistes et des professionnels de la culture, tous ces principes sont des valeurs universelles. C'est pourquoi cette déclaration affirme notre volonté de soutenir les artistes, les journalistes, les professionnels de la culture et des médias ukrainiens et de les accueillir afin de leur permettre de poursuivre leur activité et de préserver ainsi leur liberté de création et d'expression. À travers cette déclaration, nous exprimons aussi notre soutien à l'ensemble des journalistes et des médias qui s'efforcent de couvrir de manière indépendante le conflit et qui dénoncent la désinformation. La déclaration que nous publions aujourd'hui rappelle également l'attachement des ministres européens au riche patrimoine muséal, monumental et urbain de l'Ukraine. Nous affirmons notre très grande préoccupation à la suite des dégradations du patrimoine culturel ukrainien dont nous avons pu avoir connaissance jusqu'à présent. Nous soulignons notre volonté de préserver le patrimoine culturel ukrainien en collaboration avec les organisations internationales et les partenaires concernés. Hier, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit, connue sous son acronyme DALIF, a annoncé une première enveloppe de 2 millions de dollars pour la protection d'urgence du patrimoine ukrainien et de ses professionnels. J'avais proposé à mes homologues, à l'occasion de cette présidence française, de débattre d'une part des contenus, des enjeux liés, alors passe à l'autre sujet, après cette séquence très émouvante sur l'Ukraine, il y avait aussi, nous avons retrouvé notre agenda habituel, j'avais proposé à mes homologues, à l'occasion de cette présidence française, de débattre des enjeux liés aux médias en Europe et à l'accès aux contenus européens en ligne, et d'autre part, des moyens de préserver et de valoriser le patrimoine européen. Il y avait effectivement une très grande proximité entre tous ces sujets. Alors, nous voulons tout cela participer d'une volonté commune de renforcer la nécessaire confiance des citoyens dans les médias, notamment en leur donnant accès à un certain nombre d'informations sur la propriété des médias, un objectif donc de transparence. Pour restaurer la confiance des citoyens à l'égard des médias et lutter contre la désinformation, d'autres actions sont aussi possibles. Renforcer l'éducation aux médias et à l'information, en lien avec les partenaires de la société civile et en particulier à l'égard des jeunes générations. Le développement de l'esprit critique suppose la mise en œuvre de politiques ambitieuses sur le long terme, tant au niveau national qu'au niveau européen. Nos échanges l'ont montré, il est important que des actions soient mises en place pour que le modèle économique des médias soit renforcé au niveau national comme au niveau européen. Il est essentiel de garantir un financement pérenne des médias. La bonne santé des médias européens et leur viabilité économique sont en effet le gage du bon fonctionnement de nos démocraties. Lors de cet échange, nous avons également abordé la question de la découvrabilité des contenus culturels, c'est-à-dire leur capacité à être repérés parmi un vaste ensemble d'autres contenus dans l'écosystème numérique, notamment par une personne qui n'en fait pas précisément la recherche. Nous partageons le même constat, les algorithmes des plateformes numériques tendent à uniformiser l'accès aux œuvres sur la base de critères que nous allons qualifier d'opaques. Nous devons collectivement trouver des solutions pour éviter que cela ne conduise à affecter l'exposition des contenus culturels européens diversifiés. Là encore, nous pensons que seule une réponse européenne sera à même de mener des actions fortes pour éviter une concentration de l'offre en ligne sur un nombre réduit d'œuvres au détriment de tout un pan de la création et de la production.
Cela affecterait gravement notre objectif commun de promotion de la diversité culturelle dans l'Union européenne. Nous nous sommes accordés sur le besoin de proposer ensemble une stratégie européenne en la matière qui pourrait énoncer des pistes d'action concrètes. Ont été évoquées notamment les pistes suivantes : mettre en place un cadre d'échange entre professionnels, lancer des appels à projets européens de soutien aux solutions technologiques favorisant l'exposition de la diversité des œuvres et des contenus, ou encore le financement de programmes de recherche. Ce matin, les discussions ont porté sur les nouveaux enjeux européens des politiques de protection et de valorisation du patrimoine. Là encore, la dramatique actualité internationale est venue renforcer l'urgence de ces échanges avec les premières atteintes portées au patrimoine ukrainien. Nous en avons eu connaissance ces derniers jours. Avant d'ouvrir la discussion avec mes homologues, j'ai souhaité donner la parole à Madame Catherine Troftmann, ancienne ministre, qui nous a fait part de sa vision des enjeux européens du patrimoine. Nos discussions étaient organisées en deux temps, l'un sur la sauvegarde du patrimoine à travers la question de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, l'autre sur la valorisation du patrimoine à travers les enjeux de numérisation et de label du patrimoine européen. Le renforcement de la lutte contre le trafic illicite de biens culturels est malheureusement, trop malheureusement, toujours un sujet d'actualité et la Commission a annoncé qu'elle présenterait d'ici quelques mois un plan d'action en la matière. Nos échanges de ce jour avaient donc vocation à alimenter les travaux de la Commission, faire un état des lieux, réfléchir à des solutions, à des pistes d'action qui pourraient être reprises dans ce plan d'action. Parmi les pistes de réflexion figure la nécessité de renforcer le suivi et la surveillance des biens culturels à travers de nouvelles initiatives européennes, c'est-à-dire la traçabilité des biens. Le renforcement des procédures judiciaires pour la lutte contre la criminalité organisée, le renforcement de la coopération des différents acteurs impliqués dans la lutte contre le trafic afin de lancer et de soutenir des enquêtes à dimension européenne, qu'il s'agisse d'un renforcement des réseaux existants ou d'un travail renforcé avec certains pays tiers particulièrement touchés par le trafic. Nos échanges ont également montré qu'il est important de faire avancer les discussions sur la recherche de nouvelles formes de coopération, comme cela peut l'être avec l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine sur les zones de conflit, l'ALIF, dont je viens de vous parler, ou encore l'UNESCO. La deuxième table ronde de ce matin portait donc sur les moyens de mieux valoriser le patrimoine européen. Ça, c'était aussi un thème extrêmement important. Nous avons fait le constat que les outils numériques offrent de formidables opportunités pour la préservation des biens culturels, la transmission de notre patrimoine, sa valorisation. Dans ce cadre, nous avons pu nous réjouir du rôle clé que joue la Bibliothèque numérique européenne, Europeana, pour faciliter la transformation numérique du secteur. Mais nous avons également souligné le besoin de la renforcer pour bénéficier d'une numérisation qualitative et enrichie. Nos échanges ont permis de rappeler l'importance du secteur culturel pour la construction et la transmission d'une identité européenne commune et notre engagement à faire rayonner notre patrimoine au travers de politiques communes de valorisation adaptées aux mutations de notre société. Ils ont montré que la valorisation du patrimoine européen passe aussi par le renforcement d'initiatives existantes, à l'instar du label du patrimoine européen, qui, par son modèle d'échange et de coopération, peut acquérir une réelle notoriété à l'échelle européenne. Au final, faciliter l'accès au patrimoine culturel, c'est aussi permettre aux citoyens européens de s'approprier la richesse de leur histoire commune et de développer le sentiment d'appartenance à l'Europe. Je vous remercie et je passe de rechef la parole à notre commissaire Maria Gabriel. Maria, c'est à vous.
Merci. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, Maria. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, madame. Ah, il y a un glouglouti un peu. Est-ce que maintenant vous m'entendez? Là, maintenant, je vous entends mieux. Merci beaucoup, madame la ministre, chère Roselyne, mesdames et messieurs. Vous avez si bien résumé nos discussions aujourd'hui, madame la ministre, mais permettez-moi de dire merci. Merci à la présidence française et à vous-même pour l'organisation de cette réunion informelle des ministres de la Culture. Je voudrais également remercier tous les ministres qui ont pris part dans la discussion. D'emblée, je tiens à exprimer mon soutien à la déclaration conjointe des ministres de la Culture, de l'audiovisuel et des médias. Le patrimoine culturel, qui a été au centre de nos discussions du jour, souffre et court un immense danger en temps de guerre. Celui de l'Ukraine ne fait malheureusement pas exception. Je partage la volonté de coopérer pour soutenir sa préservation. Aujourd'hui, les ministres ont rappelé l'importance de l'art et de la culture dans la promotion de la paix, de la tolérance, de la compréhension mutuelle entre les peuples, mais aussi l'importance de favoriser la défense des droits de l'homme et les libertés fondamentales. Comme eux, je tiens donc à réaffirmer notre soutien aux professionnels de la culture, aux artistes, aux journalistes, ainsi que notre engagement sans faille en faveur des valeurs fondamentales que sont la liberté d'expression et de création en Ukraine. Journée internationale de la femme, permettez-moi aussi d'avoir un message de soutien et d'exprimer notre solidarité avec toutes les femmes et les filles ukrainiennes, parce que nous comptons également sur elles et nous allons être là pour les soutenir. Maintenant, Madame la Ministre, vous l'avez dit, aujourd'hui, nous avons discuté du patrimoine culturel, pierre angulaire de nos cultures, de nos identités européennes. Nous le savons, la valeur du patrimoine est immense, mais cela signifie aussi que nous devons le protéger. Ceci vaut pour notre patrimoine, mais bien entendu aussi pour tous les autres, car tous les patrimoines méritent d'être protégés. La protection du patrimoine constitue également une base fondamentale sur laquelle le dialogue interculturel peut être construit. C'est pourquoi nous devons continuer à la préserver, non seulement en raison de son rôle important dans la croissance économique, l'emploi, la construction de communautés, mais parce que aussi c'est notre responsabilité à l'égard des générations futures. Et c'est précisément l'un des sujets de la réunion d'aujourd'hui. Maintenant, permettez-moi de me tourner sur le premier sujet, la lutte contre le trafic de biens culturels. Aujourd'hui, nous avons des données, et selon ces données d'Interpol, au total, plus de 854 000 biens culturels ont été saisis en 2020. Et plus de la moitié de ces objets, plus de 560 000, ont été saisis en Europe. Il s'agit notamment de tableaux, de sculptures, d'objets archéologiques, de documents de bibliothèque. L'Union européenne est fermement engagée dans la lutte contre le trafic de biens culturels, et ce depuis plusieurs années déjà. Nous avons soutenu, dans le cadre de plusieurs programmes de financement différents, un large éventail d'activités qui visent à mieux lutter contre cette criminalité, tant au sein de l'Union européenne que dans les pays tiers. L'Union européenne, ici, soutient et continue à soutenir une approche qui vise à mieux prévenir, identifier et coopérer dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Premièrement, nous faisons cela par l'intermédiaire d'études et de projets de recherche, d'initiatives comme la mise en place d'un point de contact spécialisé pour les enquêtes relatives au trafic de biens culturels qui a été créé par Europol en 2019. Madame la ministre, vous l'avez dit, notre coopération est étroite avec l'UNESCO et grâce à cette coopération, nous avons pu former et sensibiliser des centaines de professionnels. Je rappelle ici aussi le règlement relatif au contrôle des importations de biens culturels de 2019 et de dire également que le marché de l'art a été inclus dans le champ d'application des directives sur la lutte contre le blanchiment de capitaux. Enfin, la Commission a aussi adopté le 14 avril 2021 une stratégie visant à lutter contre la criminalité organisée qui prévoit que la Commission continuera de soutenir le renforcement des capacités des experts en matière de patrimoine culturel et de soutenir leur coopération avec les services qui peuvent les aider. Maintenant, la Commission va également examiner d'autres mesures qui sont nécessaires pour lutter contre ce phénomène, notamment
d'améliorer la traçabilité en ligne et hors ligne de biens culturels dans le marché intérieur, de davantage coopérer avec des pays tiers. Et donc, tout ceci dit, lors de notre réunion aujourd'hui, nous étions d'accord que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour mieux contrer tous ensemble le trafic illicite de biens culturels. Dès lors, les échanges aujourd'hui mettent en évidence les attentes des États membres en ce qui concerne le potentiel de la technologie en tant qu'instrument capable de soutenir la traçabilité, le suivi de biens culturels. Et je voudrais, Madame le Ministre, vous remercier parce que je retiens de cette réunion des enseignements précieux qui complètent nos propres idées, mais qui nous font dire encore une fois que ce n'est qu'en unissant nos forces que nous pouvons y parvenir. Évidemment, le deuxième sujet est le patrimoine culturel. Comment mieux valoriser le patrimoine européen? Ça a été un plaisir d'écouter les interventions si riches aujourd'hui et de voir à quel point chacun est engagé pour promouvoir toujours plus notre patrimoine à l'avenir. Dès lors, vous l'avez dit, la Commission a lancé deux initiatives phares à ce sujet. Tout d'abord, bien sûr, le label du patrimoine européen. C'est une initiative qui met à l'honneur des lieux, sites, monuments qui célèbrent et symbolisent des idéaux, des valeurs, l'histoire, l'intégration européenne et tout ceci dans une couverture géographique et temporelle complète du territoire et de l'histoire de l'Europe. Nous allons lancer cette année un appel à projet inédit sous le programme Europe Créative qui va répondre à la volonté de doter les sites d'un réseau. Parce que, oui, la diversité des sites sélectionnés, la rapide croissance du label démontre son succès. Après 11 ans, 48 sites dans 25 États membres portent le label. Notre espoir aujourd'hui est d'avoir, d'ici 2030, le label sur 100 sites sélectionnés. La seconde initiative que je voudrais présenter brièvement est une réponse au secteur des musées qui a exprimé le besoin urgent d'une plateforme informatique européenne en cloud, en nuage, pour les musées et les institutions de gestion du patrimoine culturel. L'idée est de créer une véritable plateforme de collaboration qui rassemble toutes les professions et toutes les technologies des musées et des institutions de gestion du patrimoine culturel. Imaginez le rassemblement en un réseau d'outils interactifs pour la recherche, l'organisation, la restauration, la préservation du patrimoine culturel et tout ceci pour donner aussi accès aux citoyens et au secteur de la culture et de la création, évidemment en n'oubliant pas les questions liées à la protection et la gestion des droits de propriété intellectuelle. Ceci sera financé par le programme Horizon Europe. Nous avons encore un peu de travail devant nous, mais vous avez tout mon soutien. Et moi, je voudrais vous remercier, Madame le Ministre, pour votre engagement, pour votre volonté de porter si haut sur l'agenda européen les questions de la culture, des secteurs culturels et créatifs. Et maintenant, je voudrais vous remercier et évidemment de dire aussi merci par avance pour les questions qui vont suivre. Merci beaucoup. Merci, merci Maria. Alors, le moment est venu des questions éventuelles. Une petite précision, évidemment, j'interviens en tant que présidente du Conseil informel des ministres de la Culture, je ne répondrai donc à aucune question de politique intérieure française. Ce n'est pas le lieu. Bien. Mais s'il n'y a pas de questions, si tout est complet. J'aurais une petite question sur le financement de toutes ces mesures. Est-ce que c'est là que le bât blesse finalement? Est-ce qu'il va y avoir assez d'argent pour financer toutes les mesures que vous envisagez? Il y a eu un renforcement considérable des moyens dans le cadre du plan de relance européen pour financer les projets culturels, de la même façon d'ailleurs que cela a été le cas dans un certain nombre de pays. Donc il y a à travers des programmes, en particulier des programmes comme Europe Créative, des fonds extrêmement importants dans ce cadre. Donc il n'y a pas de problème. Si je pourrais aussi compléter. Oui, Maria, bien sûr. Voilà. On a la parole autant que vous voulez. Madame le ministre, vous avez... Ah, ça se remet à glouglouter. Est-ce que maintenant vous m'entendez? C'est bon. Voilà. Madame le ministre, vous avez, à juste titre, mis en avant
deux instruments et deux programmes de financement. Je voudrais vous remercier d'abord avec le programme Europe Créative. N'oublions pas que nous avons un programme qui a maintenant 60% d'augmentation du budget par rapport à la période précédente. Deuxième chose, et ça c'est un résultat qui est là parce que ça fait plus d'un an que nous y avons travaillé, les plans de relance nationaux. Souvenez-vous, notre premier objectif, c'était d'avoir 2% au niveau européen dédié à la culture et au secteur culturel et créatif. Aujourd'hui, nous pouvons l'affirmer que cette chose est atteinte, cette ambition est atteinte. Évidemment que maintenant, les prochains mois, il va falloir qu'on se penche sur le contenu, mais la France est un bon exemple. Deux éléments supplémentaires. Dans le programme Horizon Europe, pour la première fois, il y a un pôle culture et créativité. Son budget est 2,1 milliards d'euros. C'est presque un programme Europe créative, encore un programme Europe créative. Donc, mon appel est aussi maintenant aux créateurs, aux artistes, de se tourner plus spontanément vers le programme Horizon Europe. Il est pour la recherche et l'innovation, mais oui, pour la première fois, pour le secteur de la culture. Enfin, le quatrième élément, Institut européen de l'innovation et de la technologie. Nous en avons parlé, combien aujourd'hui les nouvelles technologies, l'innovation peuvent aider le secteur à développer son potentiel, à élargir son accès à des audiences. Aujourd'hui, avec l'Institut européen de l'innovation et de la technologie, nous avons créé une nouvelle communauté d'innovation et de communication dédiée au secteur culturel et créatif. L'idée, c'est de permettre à ce qu'il y ait des écosystèmes d'innovation dans le domaine de la culture et qu'ils puissent être connectés parmi eux à l'intérieur de l'Union européenne. Et tout ceci avec une attention particulière à l'innovation, à l'éducation, mais aussi la diversité du secteur culturel. Donc oui, jamais auparavant, nous n'avons pas eu autant de moyens qui sont dédiés à la culture. C'est pour cela que c'est important qu'on le garde haut dans l'agenda politique et qu'on continue à suivre maintenant la mise en œuvre et le contenu qui sera donné à ces nouveaux instruments. Merci Maria. Donc vous avez compris, plus un problème d'information, quelquefois de faire connaître à nos différents partenaires ces possibilités qui leur sont offertes. C'est pour ça que merci de le dire et de le porter dans vos médias. Alors, il y a aussi des questions. Ah, voilà, pardon. Oui, bonjour, Yves Trécadurand du Courrier de l'Ouest. Concernant l'Ukraine, vous avez parlé des 2 millions de dollars que l'Alliance française... l'Alliance internationale, oui, va... Pour la préservation des patrimoines dans les zones de conflit, oui. Par ailleurs, il est question également de débloquer des budgets pour accueillir des artistes, des journalistes et des scientifiques. L'Allemagne, votre homologue allemande, a parlé d'un budget d'1 million d'euros qu'elle consacrait. Il me semble que la France va faire de même. Et qu'en est-il de l'Europe? Est-ce qu'il y a un budget spécifique qui va être débloqué? Alors, pour l'instant, ce sont des politiques nationales qui sont à l'œuvre. Chaque pays est en train de se déployer selon ses moyens. Effectivement, vous avez donc souligné que la France et l'Allemagne ont d'ores et déjà débloqué un fonds de 1 million d'euros destiné à soutenir les institutions culturelles qui s'apprêtent à recevoir des artistes ukrainiens, artistes professionnels de la culture, journalistes ukrainiens. Mais j'ai senti à travers les discussions que nous avons eues avec les homologues européens que chaque pays mènerait à sa main, si je puis dire, des politiques adaptées pour accueillir des artistes ukrainiens. Maria, vous pouvez peut-être... Très rapidement, parce que je suis d'accord que ce qu'on a ressenti aujourd'hui dans les discussions, c'est que les États membres vont faire des efforts dans ce sens. En ce qui nous concerne, nous, en tant que Commission européenne, nous avons le programme Europe Créative et cette année, c'est la première fois que l'Ukraine est associée à part entière. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est de réfléchir à leur contribution pour cette première année qui ne doit pas être évidente pour eux et essayer de leur faciliter la vie. Autre question? Anthony Marceau pour Angers Info.
Vous avez aussi évoqué aussi les médias lors de votre réunion. Avez-vous évoqué l'application des droits voisins européens au niveau des médias ? Oui, alors bien sûr, nous avons toute une série de textes et de règlements qui sont destinés à protéger les médias, tout le secteur de l'audiovisuel et des médias. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les textes qui sont effectivement sur l'établi. Certains sont d'ailleurs en des procédures de finalisation différentes selon les pays. Nous avons pratiquement totalement transposé la directive SMA, qui est une directive extrêmement importante sur les services et médias audiovisuels. Je me mets à parler de politique française. Donc très bien, donc je stop, j'arrête, je suis moi-même prise à mon propre piège. Et donc nous avons bien sûr évoqué tout le paquet, propriété intellectuelle, droit voisin, etc. Tous ces sujets sont à un niveau différent selon les pays de transposition. Nous avons aussi les deux règlements DSA et DMA qui ont fait l'objet, bien entendu, qui n'ont pas été évoqués lors de ce Conseil européen, mais qui sont à des niveaux différents selon les pays, la discussion étant encore à faire sur le DSA et le DSA et le DMA. Mais il y a tout un paquet de textes, évidemment, extrêmement importants. Et en plus, il y a une réflexion qui est en ce moment menée par la Commission sur un texte important qui est le Media Freedom Act, sur la liberté des médias. Mais peut-être que Maria Gabriel peut faire un point sur justement l'avancée de ce texte qui nous a été présenté par la commissaire Vera Jourova. Oui, ici, c'est la vice-présidente Vera Jourova et le commissaire Breton qui sont en charge et en ligne dans ce dossier. Évidemment, je confirme que c'est prévu pour que ça soit publié prochainement. De mon côté, je ne peux que réaffirmer dans le cadre de mes compétences, mais aussi en tant qu'ancien commissaire numérique, combien c'est important que ce soit tous les États membres qui font des efforts. Quand on parle de la directive droit d'auteur, quand on parle de la directive SMA, aujourd'hui, on aimerait avoir davantage d'exemples comme la France qui applique des règles. Ce n'est pas encore le cas pour tous les autres États membres. Donc, mon message, ce serait plutôt de dire que nous soutenons nos créateurs, nos artistes, c'est quelque chose d'unique que nous avons, mais nous avons besoin aussi d'appliquer cette directive pour qu'on leur donne des moyens dans cette nouvelle ère numérique aussi de protéger leur œuvre et de nous proposer davantage de contenu riche et diversifié. Je n'ai pas voulu dire que nous étions un pays modèle, mais bon, puisque la commissaire le dit... Je le dis, mais je suis la présidente du Conseil européen des ministres de la Culture. Alors nous allons passer aux questions qui ont été envoyées sur Zoom. Et c'est le Journal des Arts qui commence. Vous m'entendez ? Oui. Très bien. Je voulais vous poser une question à propos de la 45e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui doit se tenir en Russie au mois de juin. Il y a plusieurs de vos homologues européens que vous avez rencontrés durant ces deux derniers jours, vos homologues polonais, tchèques, slovaques, lituaniens, qui ont déjà pris position sur une délocalisation, peut-être à Paris, au siège du comité de cet événement, donc hors de Russie. Est-ce que c'est une question qui a été évoquée durant vos échanges? Et allez-vous coordonner vos efforts, les efforts européens, les différentes délégations d'ambassadeurs auprès de l'UNESCO des pays européens pour arriver à ces fins? Effectivement, c'est une question qui a été abordée dans nos échanges. D'abord, il y a deux sujets en proximité qui ont été abordés. Le ministre ukrainien a fait part de son souhait que l'UNESCO mette un terme à l'adhésion de la Russie. Et puis, certaines voix se sont élevées pour s'inquiéter que la prochaine session du Comité du patrimoine mondial soit prévue à Kazan. Alors, le premier point, parce qu'ils sont évidemment liés, sur l'exclusion de la Russie de l'UNESCO. Je rappelle que l'UNESCO est une agence des Nations Unies et que nous n'avons pas la possibilité de l'exclure ou de suspendre la Russie de ses rangs sans que celle-ci n'ait été préalablement exclue de l'Organisation des Nations Unies.
Or, comme la Russie est un membre permanent du Conseil de sécurité et dispose à ce titre d'un droit de veto, elle est en mesure de s'y opposer à tout moment en cas de débat à ce sujet. Alors, la convocation d'un Conseil exécutif a donc été entérinée à la demande de 19 États y siégeant, dont la France. Cette session extraordinaire se tiendra le 15 mars prochain pour, j'ouvre les guillemets, examiner les répercussions et les conséquences de la situation actuelle en Ukraine sous tous les aspects du mandat de l'UNESCO. Nous travaillons par ailleurs à la délocalisation de la 45e session, pour répondre très précisément à cette question, à votre question, à la délocalisation de la 45e session du Comité du patrimoine mondial prévue à Kazan du 19 au 30 juin 2022, des voix nombreuses s'étant exprimées en ce sens. Et au-delà des atrocités qui sont actuellement commises sur le sol ukrainien par les forces armées russes, il est inconcevable que cette réunion annuelle se tienne dans un pays qui a d'ores et déjà, dont le régime a d'ores et déjà bombardé deux villes inscrites sur la liste du patrimoine mondial, Kiev et Lviv, deux membres du réseau des villes créatives de l'UNESCO, Kharkiv et Odessa, et l'ensemble des idéaux, des principes de l'UNESCO dans tous les champs couverts par l'organisation sont actuellement bafoués en Ukraine. Les dégradations, je me suis déjà exprimé à l'instant sur ce sujet, les dégradations du patrimoine ukrainien constituent par ailleurs un très fort sujet de préoccupation et Alif a préparé un plan d'action pour la sauvegarde de ce patrimoine en coordination, bien entendu, en articulation avec les actions qui sont menées par l'UNESCO. Nous avons maintenant une question de Samuel Kahn de Contexte. Pouvez-vous détailler la stratégie européenne sur la découvrabilité des contenus culturels ? Les plateformes seront-elles visées ? Les plateformes ne sont pas visées. Elles sont appelées à coopérer pour améliorer la découvrabilité des contenus. Nous voulons travailler, bien entendu, avec les plateformes pour qu'ensemble, nous bâtissions les meilleurs outils de découvrabilité de ces contenus culturels. Alors, une question maintenant de Satellifax. Sur la question de la découvrabilité, un calendrier et un cadre ont-ils été définis pour faire avancer ce sujet ? Alors, un calendrier, oui. C'est surtout un travail qui est mené actuellement avec la Commission. Alors, sur la question de la découvrabilité, je vais peut-être passer la parole à Maria Gabriel qui va nous dire comment elle envisage ce calendrier de travail collaboratif. Je pense... Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Très bien. Voilà. Évidemment, ici, la question est de le faire le plus rapidement possible, mais en même temps, en respectant un calendrier qui permet à ce qu'on coopère, ce qu'on se coordonne et qu'on puisse garder ici une approche européenne. Donc oui, si aujourd'hui nous sommes partis, d'ici la fin de 2022, on va avoir aussi un plan d'action pour les mesures, pour faire l'éventail, ça veut dire que tout de suite après, nous devons aussi être prêts à aller au-delà. Ça ne peut pas se faire en quelques mois. C'est pour cela que pour moi, ce qui est très important, c'est que d'abord, dans le cadre des initiatives qui sont sur la table ou qui vont être adoptées prochainement, cette question puisse être intégrée. Nous avons parlé de DSA, de DMA, il va y avoir d'autres documents qui vont mettre en avant la position de l'Union européenne. Pour moi, l'enjeu, c'est de rapidement inclure et prendre en considération cette question dans des dossiers qui seront prochainement adoptés pour aussi, à ce moment, bâtir une approche qui soit cohérente et dans laquelle on affirme clairement que pour nous, en tant qu'Union européenne, le contenu culturel, ce n'est pas un contenu comme les autres. Alors, une question de France Culture destinée à Madame la Commissaire. Pour les biens, les œuvres culturelles ukrainiennes, des fonds européens vont-ils être débloqués ?
Encore une fois, je pense que je l'avais dit, nos moyens d'action dans ce moment-là sont liés avec le cadre du programme Europe Créative. Évidemment que nous devons continuer à examiner, et c'est exactement ce que la Commission fait, quel est l'ensemble des différents instruments que nous pouvons mettre en place. Il y a eu le mécanisme de protection civile qui a déjà été activé. Je rappelle que c'est un mécanisme qui peut être aussi activé dans ces cas-là. Nous avons des exemples en Europe, pas en cas de guerre, mais avec l'objectif de protéger des monuments historiques. Ce qui pour moi est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, avec la déclaration, on affirme la volonté de tous les États membres, pas seulement de prêter attention à cette question, mais aussi d'être prêts avec des instruments et des financements de soutenir de manière concrète l'Ukraine. Merci à tous. Nous allons mettre fin à cette session de questions-réponses. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci Maria pour avoir participé à ce travail. Merci Roselyne. À très bientôt. À bientôt Maria.